putain. Oh, c'est quoi ce bruit? Oh là là. Il n'y a pas d'avoir du bruit ici. C'est quoi ça? Faut pas que je fasse trop de bruit. Lily Rose, elle est en train de dormir juste au-dessus. Là, je suis dans sa chambre, les amis. Je vais vous raconter une histoire qui fait peur. Là, j'ai pris mon application préférée. C'est une application pour détecter les fantômes. Et aujourd'hui, justement, je vais vous parler d'un fantôme. Le fantôme de la petite fille de la ville abandonnée. C'est une de mes histoires préférées, cette histoire. Elle est incroyable, vous allez voir. En gros, la petite fille de la ville abandonnée, c'est une fille qui s'est fait abandonner par toute sa famille. Tout le monde l'a abandonnée et elle est restée toute seule dans une ville. Elle est restée toute sa vie dans cette ville, toute seule, sans personne. Personne se souvenait d'elle. Et depuis, à chaque fois que quelqu'un parle d'elle, à chaque fois que quelqu'un vient visiter sa ville, elle le hante. Elle suit les gens jusqu'à chez eux et elle leur fait vivre un enfer. C'est incroyable. Enfin, d'ailleurs, la personne qui m'a raconté cette histoire, elle m'a dit surtout, ne parle jamais de cette histoire chez toi. Sinon, il peut se passer des trucs de fou. Elle peut venir dans ta maison et tout. Enfin bref, mince, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah, je suis en train de vous en parler. Oh, j'espère qu'elle va pas venir. Mais bon, c'est pas grave de toute façon, parce que j'ai une application spéciale fantôme. Donc on va pouvoir voir tous les fantômes qui sont dans notre maison. Là, je profite que Lily Rose dorme. Elle est juste au-dessus dans son lit. Et je vais voir s'il y a des fantômes dans sa chambre. Bon, allez, on va faire ça. Il y a quelqu'un? Esteban? Lily Rose? Ah, il y a quelqu'un ici? Hé hey. Un fantôme? C'est quoi ce bruit? Peppa Pink? Pourquoi? Lily Rose, ça va, je t'ai pas réveillée? Oh non, elle doit être en train de dormir dans son lit. Bon, faut pas trop que je la dérange parce que c'est bientôt la rentrée des classes quand même là. Bon, alors, à notre application. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir entendu Peppa Pink descendre les escaliers. J'espère que ça va. Peppa Pink? Ça va? Peppa Pink? Bon, j'ai démarré l'application. On va bien voir s'il y a des fantômes ici. Attends, c'est quoi ça? Y a un fantôme en bas des escaliers. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Non mais y a déjà un fantôme chez nous. Non mais ça tombe, l'application elle raconte n'importe quoi. Eh oh, y a quelqu'un? Y a déjà quelqu'un ici? Peppa Pink, c'est toi? Peppa? Ah! C'est quoi ça? Peppa Pink? Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, je vais allumer la lumière là. Peppa Pink? Eh oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi tu bouges plus? Pourquoi tu bouges plus? Eh oh, pourquoi tu bouges plus? Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, j'espère que j'ai pas fait une bêtise en vous parlant de cette histoire. En même temps, mon ami, il m'avait bien dit de pas lui... Oh là là, il m'avait bien dit de pas en parler. Oh, il faut que je réveille tout le monde, là. Valentin! Valentin! Il est dans sa chambre, j'espère. Valentin! Ah, t'es là! Réveille-toi, réveille-toi, dépêche-toi! Quoi? Viens voir, viens voir, viens voir. Tu vas halluciner, là. Y'a quoi à voir? Peppa Pink! Y'a quoi? Il est dans un sale état. Je sais pas ce qu'il a, mais il bouge plus. Il est en bas de l'escalier. Oh là 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 là. Quoi? Un sale état, tu dis? Oui, il est dans un sale état, il bouge plus du tout. Il est comme... Non, non, il est comme pétrifié. Bah, tu vois bien qu'il n'est pas en train de dormir, sinon il serait dans son lit. Oh, viens voir, viens voir, viens voir, viens voir. Oh là là, j'ai tellement peur pour lui, j'espère que ça va. Peppa Pink! Eh oh! Oh là là, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, attends, il faut qu'on le laisse ici. Viens, je vais te raconter quelque chose. J'ai peut-être fait une énorme bêtise. Encore? Surtout, j'espère que tu m'en voudras pas. J'ai peut-être fait une énorme bêtise. Ça dépend, vas-y. Ah, en gros, je voulais faire une vidéo qui fait un peu peur pour les abonnés. Ouais. Du coup, j'ai parlé d'une légende. C'est un ami qui m'a raconté ça. C'est la légende de la petite fille abandonnée. La légende de la petite fille abandonnée? Oui, en gros, bon, bah, je vais pas réexpliquer parce que j'ai déjà expliqué, mais c'est une petite fille qui s'est faite abandonner dans une ville. Et depuis, à chaque fois qu'on parle d'elle, ou à chaque fois qu'on va dans cette ville, elle hante les maisons. Et t'as parlé d'elle et t'es allé dans cette ville? Non, je suis pas allé dans cette ville, j'ai juste parlé d'elle dans la vidéo. Mais qu'est-ce qu'il y a? Regardez. C'est quoi ça? Ah mais c'est horrible. Mais c'est une araignée horrible. Ah mes amis, c'est quoi ce truc? Je sais pas si vous avez vu là. Attaque! Non mais ah ouais.
Vas-y. Attaque l'araignée. Elle est où l'araignée? Je sais pas si vous avez vu l'araignée là. Oh, ça tombe, ça n'a aucun rapport avec la petite fille. Ça tombe, c'est juste Peppa Pig qui s'est fait mordre par une araignée géante. Ah bah c'est peut-être ça, mais dans tous les cas. En même temps, vu la taille des araignées chez nous. Bon, elle est où? Attendez, elle est où cette araignée? Oula, on est en train de tout casser. Elle est là, regardez. Elle est énorme. Elle est en train de partir. Elle est en train d'attaquer les cadeaux des abonnés. Vite! Oh, écoutez, ouais, donne le chat. Il est où? Il est là, bah il est là le chat. Non mais pas le chat. Bah, l'araignée, elle s'est enfuie. Oh bon. Ah, j'espère qu'on l'a bien vu en vidéo là. Bon, écoute, on va aller vérifier s'il y a des morsures sur Peppa Pink. Ouais. Valentin, il a vraiment peur. Regardez. Je suis terrifié. Il a vraiment peur des araignées. Je pense qu'il a plus peur des araignées que des fantômes. Attends. Attends, je pense à un truc là. Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Là-bas, tu vois pas une silhouette blanche là? Mais si, c'est quoi ça? Attends, reste là, je vais voir Peppa Pink. Ok. Garde un œil sur ce qui se passe là-bas. D'accord. C'est bizarre, on dirait un fantôme. Bon, au pire, j'utiliserai l'application là-bas pour voir si c'est vraiment un fantôme ou pas. Ah mais oui, on dirait un fantôme. Mais oui, en fait, c'est... Il y a un fantôme. Ça va, Valentin? Oh là là, j'ai l'impression qu'il s'est passé un truc en bas. J'espère qu'il s'est pas fait mordre par l'araignée. Bon, Peppa Pink, est-ce que tu as des morsures d'araignée? Peut-être ce petit truc là? Non, je sais pas, je pense pas que ça soit ça. Hein. Je pense qu'il y a dû se passer un truc avec le fantôme. Bon, écoutez, avec Valentin. Valentin, ça va? Pourquoi il me répond plus? Bon, je vais allumer les lumières. En principe, ça fait fuir les fantômes. Même si là, je pense que si j'ai parlé de la petite fille et qu'elle est venue, c'est foutu pour nous. Valentin? Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Valentin? Oh non, il bouge plus. Oh non, il lui est arrivé la même chose. En même temps, je l'ai laissé tout seul avec le fantôme. Oh non, qu'est-ce que t'as fait? Oh là 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 là. Attendez, je vais appeler mon ami qui m'a parlé de cette légende. Ça tombe, il a plus d'informations. Hop, Edouard, il est où? Le numéro d'Edouard. Edouard. Ah, c'est bon. En principe, il répond très vite. Allez, réponds. Ah, Edouard, oui, je suis en vidéo. Là, j'ai parlé de la légende de ton truc, là, de la petite fille. Oui, j'en ai parlé en vidéo, je sais, j'aurais pas dû, mais... Ah, tu m'avais pas parlé de ça? Bah si, je pense que... Ah oui, là, il y a deux personnes pétrifiées chez moi. Il y a Valentin et il y a mon père aussi. Ah bah ça, je sais pas. Il fallait pas la regarder dans les yeux. Fallait pas regarder la petite fille dans les yeux. Bah à mon avis, ils ont dû la regarder dans les yeux. Quand tu vois un fantôme, t'as peur, donc tu le regardes dans les yeux. Bah moi, j'ai... Oh, non, c'est pas possible. Ok. Bah je vais dire à Lily Rose de fermer les yeux et de rester dans sa chambre sans bouger. Ok, ça marche. Oh non les amis, fallait pas... Si on voit le fantôme, fallait pas le regarder dans les yeux. Sinon on est pétrifié pendant 24 heures. Donc là ça veut dire qu'ils vont devoir rester une journée complète comme ça, les pauvres. Oh non. Ah bah Valentin, mon pauvre là, t'es bon pour rester comme ça pendant un moment. Bon, je vais peut-être le poser par terre, comme ça il sera moins fatigué. Pareil pour Peppa Pink. Et oh le fantôme là. Moi je te regarderai pas dans les yeux, hein. Je sais très bien qui tu es maintenant. La petite fille maudite, là. Bon, écoutez, je vais prévenir Lily Rose pour pas qu'elle fasse la même erreur qu'eux. Parce que... Hein? Parce que là, t'as fait une grave erreur, mon petit gars. Hein. Allez, bon, je vais prévenir Peppa Pink. Je sais pas s'ils m'entendent ou s'ils sont comme endormis. Ah bah lui, ça s'arrange pas. Bon, bah, Peppa Pink, t'es bon pour rester comme ça pendant 24 heures. Hein. Donc, je sais pas si tu m'entends, mais bon, allez, hop, voilà, t'as fait, on dirait une statue. Au moins, vous ferez moins de bruit, vous nous embêterez moins. Avec Lily Rose, on pourra faire ce qu'on veut. On profiter de nos derniers jours de vacances. Bon, Lily Rose. Ah oui, oh, elle est en train de dormir. Bon, a priori, si elle dort, elle regardera personne dans les yeux. Et visiblement, le fantôme peut se déplacer partout dans la maison. Bon, écoutez, moi, je vais aller chasser l'araignée. Parce que j'ai vraiment pas envie qu'elle reste chez nous. Sinon, elle va profiter qu'il ne puisse plus bouger pour les mordre. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, allez voir une autre vidéo sur notre chaîne. Ça nous ferait extrêmement plaisir. À la prochaine. Ciao, mes petits fantômes.